Salut tout le monde, c'est Van Rack. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de Far Cry Primal, pardon. Et on se lance tout de suite dans l'assaut du fort du Hurleur de Feu. Ça a l'air d'être un petit peu plus... Oh merde. C'est vrai. Ça a l'air d'être déjà un petit peu plus renforcé que l'autre. Donc on va faire un petit tour avec la chouette. Histoire de déjà faire une première inspection de ce qu'il y a dans le coin. Bah ils sont tous planqués là, visiblement. Voilà, là il y a un machin pour avertir. Ah c'est grand hein. Oh, c'est bon, voilà. Allez, on revient par là. En même temps, je vois personne, ça m'énerve. Parce qu'ils vont tous sortir d'un coup. Puis je vais me retrouver comme un con. Le chef est là. Ah, zut. Ah, le croc là je peux pas, hein, c'est chiant ça. Ils ont même pas mis la possibilité de débloquer un truc pour qu'elle puisse attaquer. Bon bah attaque-en un et puis voilà. Alors est-ce qu'il y a moyen de passer par ce côté là? Ça par exemple, c'en est un qui a la porte marquée. Et qui en plus est un avertisseur sonore. Bah, les attire pas vers moi, il est con lui. Ah, il se montre quoi bien, puis après il vient vers toi, tu sais, histoire de dire, ah, regardez, il est là. Ah, il est là, regardez. Venez le bouffer. Alors, un avertisseur sonore, on va en désinguer un déjà. Hop, toc. On va essayer de la faire à peu près infiltration comme l'autre. Ce qui serait pas mal. Ah zut, c'est un gros gros. Ça c'est un gros gros. J'ai bien dit essayer parce que... En général, ça se passe pas comme je le prévois. C'est le tigre qui s'est fait repérer, d'accord. Okay. Et la deuxième trompette, elle est où? Elle est là-bas. Ouais, j'arrivais à le prendre de revers, celui-là, pour pouvoir l'exécuter. Hop, on va se replanquer. Et on va dire à la chouette d'attaquer le deuxième qui avertit. Bah allez, vas-y. Merde, ils vont me voir, ils vont me voir, ils vont me voir. Il y a la deuxième sonnette là-bas.
Attendre c'est que le tigre, ils avertissent pas pour demander des renforts, mais s'ils me voient moi, c'est pas la même chose. Ah merde, il l'a eu. Salopard, il a buté mon tigre. Oh merde! Je pensais qu'il venait vers moi, il a fait demi-tour ce con. Eh hey, mais il prend combien de flèches ce petit là? Crève bordel de con! Crève bordel mais... Ah merde, j'allais justement pour enlever. C'était pas ça, ça devait être un... Il doit y avoir un autre qui sifflote dans sa trompette. Ah mais ils mettent même pas les scars, c'est con. Putain, bande d'enculés. Mais ils l'ont rebuté mon chat là. Il est mort où? Où est-ce qu'il est mort? Bref, bordel, depuis tout à l'heure, ils veulent pas crever ceux-là, c'est pas croyable. Ah, c'est moi qui vais crever à force. C'est moi qui vais crever à force. Ta gueule, connard. Et elle est pas morte cette canne là? Ça vaut pas le détruire ce machin là, cette trompette. La ferme toi, bordel. Ça se passe moins bien là. Bordel, il va me crever. Ah, je vais crever. Dégage. Oh, le tigre est mort. Oh merde, il se soigne au même moment que je lui demande d'attaquer, bordel, mais qu'il est con. Oh, déjà qu'ils arrêtent de demander des renforts, ce serait pas un luxe. Ah ça, je m'en sors moins bien que l'autre. Ah quand même, un de moins déjà. Un gros de moins.
là. Bon, il reste plus que les gros. Non, il reste encore des... Non, c'est... C'est ça, c'est les gros. C'est cassé ou pas, ça? Il y a toujours le logo dessus, là. Vas-y, crame ton village, je te dirai rien. Il y a toujours des petits. Ah, j'ai plus de massue là, j'ai plus de massue. Mais dégage! Ah, j'ai eu, c'est la grosse merdouille. Il manque le bois. Il manque du bois. C'est mal barré. Si j'ai plus de quoi faire des flèches et tout, c'est mal barré. Ah, ils sont dans le truc en train de cramer. Laisse les cramer dans le machin. Bordel, comme ils font mal. Et encore, j'ai la réduction des dégâts, je viens d'y penser. Allez. Voilà. Il en reste encore un, mais bon, ça devrait peut-être le faire, là, quand même. Il est où? Ah, il est où, plutôt? Ouf. Eh ben, ce fut un petit peu plus... laborieux, dirons-nous. J'ai pas réussi mon infiltration comme je l'aurais voulu. Et c'est réussi. Winja Warata. Shlash. Ta isila santa dachai magam. Santa isila sush dugishtaris batari. Sushalain winja dagwash. No sushalain guana. O purkalash! Winja purkalash dachaya. Dahata. Koti hutstor. Tachisla. Purkalash tachisla dachaita. Uno guash. Guash! Ti winja mim guama! Winjam Guashta. Toi tu vas au Winja, pour l'inverse. Bon. J'ai remarqué qu'on pouvait faire la hutte de l'autre qu'on a capturé dans l'épisode précédent. Du coup on va enchaîner là-dessus. Quai shwadar chagwai fa? Izila pasti. Na shwadar hatam! Tachisla, di yi baram.
pour Kalash. I, Minasham Sushalheim. Umana! Nashan Hamagam! On peut directement lancer la mission de lui aussi. Pour faire sa lutte, très certainement. Attendez, on va confectionner ceci. Toc. Niveau compétence. Qu'est-ce que je vais. Qu'est-ce qu'il propose lui? Réduit les dégâts infligés par le feu. Ouais. Pour l'instant, non. C'est-à-dire qu'il me propose ça à un moment où j'en ai plus vraiment besoin, quoi. C'est génial. Mais pour l'instant, on va attendre. Il y a ces deux missions-là, donc, qu'on va effectuer pour faire un complément à cet épisode. Mais d'abord, je voulais déjà repasser au village. Chercher du bois. Il est où le machin? Évidemment, je ne vois pas. J'ai une machine de ressources, logiquement, que je peux... faire, non? Bon. On verra bien. Il me faudra du bois dur, que je puisse refaire des massues, là. Des gourdins plutôt. Mais non, on va pas le noyer. Alors, ça a ajouté... Ouf, jusque là. C'est jusque là. Quand même. Bon, on va retourner voir celui-là. Ça va nous faire pareil, une mission ajoutée. Il faudrait que je trouve une machine de ressources pour récupérer des bois. Je pensais qu'ici il y en avait, mais... Ah si, il y en a un, mais dans ma... Oui, d'accord, oui. Su gaujata, ma u tuarshi suman. Umana! Mission ajoutée. Bon, attendez.
Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Faut juste que je retourne dans ma grotte. Et logiquement, voilà, ça y est. Hop. Alors, du bois comme ça, qui nous permet de faire ceci, de confectionner ceci, et de confectionner ceci. Hop. Alors, la sienne de mission, elle se joue dans quel coin? Ici. Voler des graines pour votre village pendant une course Idzila. On va déjà faire ça en premier. Et dans le prochain épisode, on va commencer à s'attaquer au chef. Donc, hop. Bon, c'est par là-bas. Alors, il faut les libérer parce que ça fait un petit peu de population supplémentaire et la population supplémentaire, ça nous donne des bonus d'XP. Faut suivre le chemin, d'accord, par là-bas. Donc il faudrait suivre le chemin de ce sens-là. Voilà, on est sur la bonne voie. C'est quoi comme bestiole ça? Est-ce que c'est un lien, j'ai déjà ou pas? C'est ça que j'aimerais savoir. Si je l'ai pas déjà, j'aimerais bien le capturer. Il nous emmène jusqu'où donc là? Jusqu'où il nous emmène celui-là, là. C'est pas croyable. Les Wenja veulent tuer Da. Secourez-le. Bah ouais, on y va. Carrément.
Bah toi, c'est pas juste machiner, c'est carrément colmater les fuites. T'es plombier ou quoi? Attends, elle est où celle-là? Ouais, là-bas, d'accord. Là, ah, c'est sous l'eau, les quatre. Ok. Non, il y en a une là-haut. Excusez-moi. Désolé. Ah, puis faut que je me dépêche. Forcément, l'eau monte. On va déjà en faire un maximum. La dernière, on la verra après. Hop. Oh la vache. Il y a des poissons sous l'eau, évidemment. Selon le colmate déjà certaine. Ça va peut-être déjà éviter que l'eau monte trop vite. Sorcier, juste à remonter lui parler. Ah, je croyais que c'était une liane, mais non, ça n'est pas une liane. Bon, par contre, comment je remonte ici? Voilà. Daf Winjai, dai squatti balhasa. Da mari, quai da shwadam mari. Shaja shwadam guaifa. Gastia, malchasar. Ok, alors... Qu'est-ce que l'on nous propose par la suite? Et encore pour lui... Ouais, bon, on va continuer sur sa lancée. On va continuer sur la lancée avec lui. Ouais, finalement, il y a plus de missions que je pensais pour eux, donc ça... complète plus que ce que je voulais. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une chacun. Ça doit être trouvable dans mon machin. Argile 10, il m'en faut 10. Ah, c'est pas pour maintenant. Je vais regarder ce que j'ai en stock. Alors, cèdre du nord, caillou noir et argile. Ok. Oh merde, le con, il brûle tout seul.
Alors, qu'est-ce que j'ai en stock? L'argile, ça m'étonnerait. Franchement, j'en ai jamais eu en stock. Machin du Nord, c'est ici. Alors, on prend. Hop. Et par contre, l'argile, je n'en ai que deux. Ce qui n'est pas suffisant. Ce qui n'est pas suffisant du tout. Parce qu'il lui en faut encore 8. Bon, eh ben, tant pis, on va continuer les missions. Mais pas pour lui. On va continuer celle-ci à la place. Aider Urki avec ses inventions pour être le témoin privilégié de l'avancée humaine. Ouais, tu parles. C'est pas être lui que l'avancée humaine va aller bien loin. De toute façon, il n'y en a plus de mission pour lui pour l'instant. Je sais pas s'il y en aura d'autres après, mais pour l'instant, il n'a pas de marqué. C'est plus absurde qu'une avancée technologique, hein. Enfin, qu'une avancée humaine. Enfin, je dis ça. C'est mon point de vue. C'est vrai, faut bien essayer de toute façon pour avancer, mais bon. C'est un peu particulier ce qu'il fait quand même, hein. C'est pas très réfléchi. Voler des graines. Hop. Au sud, là, c'est dommage, je peux même pas essayer de récupérer de l'argile. Si je les bute, j'ai le droit. Si par exemple je fais ça. Si je les bute, ils les trouveront pas, les sacs. C'est pas le même point, ça, ailleurs. D'accord. Jusqu'où? Ah, c'est juste à côté, d'accord. Je les voyais pas. Oups. Doucement, doucement, doucement. Ouh là 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 là. Kata, 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 kata. Soigne-moi ça. Ah, ils sont nombreux. Oh, puis il y a même un gros, la vache. Péter le machin en plus. Bon, faut se dépêcher avant qu'il les trouve. Là. Hop. Ouais, si tu les butes, il risque pas de les trouver avant toi. C'est plus simple, hein. Pourquoi se faire chier à chercher en urgence alors que tu peux ralentir la gêne.
fonce encore loin. Moi, ils sont que 3, c'est bon. S'ils sont que 3, il n'y a plus personne pour chercher le sac qui se trouve ici. Fuyez la zone. Ben voilà. Et ben voilà. Du coup, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il nous en propose d'autres. Donc on va aller voir pour qu'il nous propose très certainement de construire la sienne aussi de hutte. Comme ça au moins je saurai si j'ai certaines ressources à récupérer. Ou si j'ai déjà tout, c'est possible. C'est possible que j'ai déjà tout pour la sienne. Les ressources du sud, j'en trouve plus que celles du nord. L'argile au nord, j'en trouve quasiment pas. Alors que les poussières de roche du sud, c'est plus souvent quand même. Là, je cherchais cette pierre. Et qu'est-ce que je disais, j'ai déjà tout. Est-ce que j'ai encore ce qu'il faut pour améliorer? Non, peau de poisson croque rare, poudre de cailloux du sud, pierre du sud, érable du sud. Ça, ça se trouve. À part la peau de poisson, le reste ça va. Bien, bon, du coup il devrait nous proposer des machins à faire. On verra ça pour le prochain épisode. J'irai chercher les ressources pour faire la hutte de Da. Et on fera leur quête à eux deux au maximum dans le prochain épisode. Voilà, sur ce, je vous dis ciao et à bientôt pour continuer nos aventures. Salut, salut!